Sennheiser, j'ai tout un parc micro Sennheiser qui me fait confiance, qui permet vraiment de restituer le son de ma batterie tel que je l'entends en fait, tel que je l'imaginais. Je cherche vraiment des fréquences très très graves, mais sans que ça bave non plus. Donc pour la grosse caisse par exemple, j'ai deux micros, j'ai le E901, le micro plat, qui est à l'intérieur de la grosse caisse, qui prend toute l'attaque, mais qui descend aussi vachement dans le grave. Donc en fait on a une attaque, on a du grave, on a vraiment un large spectre de fréquences qu'on peut travailler très facilement après. Donc le 901 qui est monté dans la grosse caisse, complété par un E902 sur le devant, qui récupère en fait lui tout le spectre grave. Donc en mixant les deux, on a un son de... Le diamètre 24 pouces, on l'entend tout de suite, quoi. Pour la caisse claire, pareil, j'essaye de descendre le plus grave possible. C'est vraiment le son que j'aime bien. Grave, chaleureux, mais précis quand même, quoi. Et pour ça, donc, j'ai deux micros sur la caisse claire. J'ai un E904 sur le dessus. Donc c'est les micros pinces qu'on peut fixer sur le cercle. Qui ne gêne pas en plus quand on joue. Et en fait, ce micro-là, pareil, a une largeur de fréquence très grande, qui descend bien dans les graves. Ça permet d'avoir la note de la caisse claire que je cherche, tout en gardant cette précision au niveau de l'attaque. Et il est complété par un E604 qui est sur le dessous, qui reprend la caisse claire. Donc le E604, en fait, c'est comme le E904, mais qui prend un peu moins les graves. Pour choper du timbre, c'est parfait. Et sur les tomes, pareil, donc j'essaie toujours de descendre le plus grave possible. Pareil, c'est des 904, pour les mêmes raisons que pour la caisse claire. C'est un micro qui a vraiment une large palette de fréquences, qui prend vraiment le grave, l'attaque, la précision. Les deux tomes sont super précis grâce à ces deux micros. Et pour les overheads, alors là ils ne portent pas leur nom comme ils devraient, parce que les overheads, je les ai mis sous les cymbales, ils sont fixés sur les pieds, c'est des E614. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas une forêt de cymbales sur ma batterie, et ça permet vraiment de prendre juste les cymbales, et de les travailler vraiment séparément par rapport au reste du kit. Alors il n'y a pas trop de repise par rapport à la position au-dessus du kit, ça prend juste les cymbales, il n'y a pas de tom, il n'y a pas de caisse claire et tout, et ça permet vraiment de travailler juste le son de cymbale. Alors ça peut être les côtés crash ou ride si on est sur ma droite, et côté charlet, crash sur ma gauche, et ça... Voilà, le son est vraiment... c'est juste les cymbales qui ressortent en positionnant les micros sur le dessous. C'est génial. Don't forget to like and subscribe to see more videos just like this.